Salut tout le monde, c'est Neo77 Tester pour aujourd'hui une nouvelle vidéo découverte sur un jeu d'arcade que j'aime particulièrement. Voilà. Donc on va mettre la petite pièce de 5 balles qui va bien. Et on va attaquer avec ce The King of Fighters 12. Donc tout de suite. Allez, c'est parti. On va voir ce que ça donne. Alors, faut savoir que c'est un jeu que j'aime particulièrement. Alors, je suis pas hyper fort, mais j'arrive à me démerder un petit peu. Voilà. J'ai beaucoup joué dans ma jeunesse à pas mal de KOF. Alors, pas les tout premiers, hein. Un petit peu plus tard, tout ce qui était KOF 97, 98, 99, j'ai beaucoup joué à ça. Alors, j'ai un peu perdu la main, vous allez le voir, mais bon, il y a quand même des restes qui sont pas négligeables. Voilà. Allez, c'est parti. Alors je vais prendre mes trois joueurs fétiches. Donc j'aime beaucoup Robert Garcia. Ensuite, j'aime bien aussi Kim. Et après, j'aime aussi Joe Higashi. Donc je sais pas combien de temps va durer la vidéo, hein, comme à mon habitude. Voilà. Alors à part que c'est un jeu quand même dont j'ai déjà joué, en fait j'ai déjà joué à ça. Même encore maintenant, j'y joue encore. Donc voilà, après j'arrive jamais au bout avec un seul crédit. Mais je pense que j'espère que j'arriverai à jouer un petit moment quand même avec vous. Voilà, c'est parti. Ça commence très fort. Ah oui. Ah bah raté. Alors là je joue un petit peu en mode bourrin pour essayer de gagner et là c'est compliqué là. Ah, d'habitude je perds pas autant de vie que ça. Donc faut savoir c'est qu'à chaque fin de. À chaque fin de round. En fait, on a un petit regain de vie. Mais c'est pas tout le temps le cas. Et ben, je vais pas réussir à le placer. Hein. Et voilà. Là, heureusement, à chaque fin de combat, donc comme j'ai expliqué, si on gagne, on a un regain de vie pas négligeable quand même. Ça peut faire la différence. Hein, Eh ben, je le placerai pas. Eh ben non hein, ça veut pas passer. Donc on constate quand même que certains personnages de King of Fighters ont des coups qui ressemblent quand même beaucoup à ceux de Street Fighter 2 à ses débuts. Après je pense, il me semble bien que The King of Fighters a débuté un petit peu avant Street Fighter, il me semble. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble bien que c'est comme ça. Voilà. Allez, deuxième combat. Donc Terry Bogard, Goro Daemon, Shen Wu. Alors Shen Wu est un petit peu galère, hein. Je vais pas vous dire le contraire. Terry Bogard est très chiant aussi à battre. Qu'ils veulent pas se prendre un bon coup spécial dans la gueule. J'espère que
Goro Demand, faut surtout pas vous faire attraper. Sinon, il vous brise en deux. Ah bah voilà, regardez bien. Voilà. Là on a quasiment un quart, un tiers de la barre de vie qui... Oui. Ah, j'aurais quand même réussi à le placer. À placer ce petit spécial là. Ah, ah, Shenmue qui est très très pénible. Alors des fois il est un peu moins chiant mais bon. Ah, dommage. Ah, j'ai voulu changer un petit peu de coup, mais ça n'a pas réussi. Oh non, 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 oh non. Ouf. Donc il y a aussi autre chose, si je peux parler un peu du jeu aussi, je vais parler un peu du jeu. Quelque chose qui est vraiment bien, c'est qu'on n'a pas une impression d'avoir des personnages petits sur l'écran, on a vraiment l'impression d'avoir un personnage qui est vraiment grand. Et ça c'est vraiment bien. Les mouvements des joueurs, enfin des personnages et tout sont vraiment super bien faits. Tout ce qui est sprite, etc., décor, c'est excellent. C'est vraiment un jeu qui, voilà, même par rapport au dernier, ou même The King of Fighters 13, ou le dernier qui est sorti de King of Fighters 14, c'est vraiment un des jeux que, limite, je les préfère au dernier, en fait, voilà. Alors après, peut-être un manque de personnages, hein. Je trouve qu'il n'y a pas énormément de personnages, mais après, ça reste tout à fait convenable par rapport à un jeu de combat de ce style-là. Oh, mais c'est pas possible! Je sais pas pourquoi je sentais qu'elle allait sauter. J'ai bien fait de gérer ça comme ça. Ah, King. Ah, ça va être autre chose là. Ça passe pas, hein. Oui. J'ai aussi remarqué que dans les décors, on voit quand même une belle profondeur avec des animations à différents étages. Et ça, franchement, c'est vraiment terrible. Que SNK a vraiment fait des jeux de combat vraiment excellents. Il y a vraiment, on peut pas leur retirer ça. Ah, dommage. Ouais, Kyo est très bon quand même.
Oh non! Ah, dommage! Un petit peu de chance quand même. KOF Third Stage の模様です。各会場から中継でお伝えします。ご覧ください、この熱気。トライアルが終了した今も興奮冷めやらずといった雰囲気です。中盤戦を迎えた KOF タイムトライアル。残すはあと2ステージ。どんなドラマが生まれるのか、ますます目が離せません。Select Allez, c'est parti。Ah, et puis autre chose aussi qui est vraiment bien, c'est quand on peut courir. Si on veut se déplacer rapidement. Alors pour ceux qui connaissent pas trop la série de KOF, en fait il y a aussi quelque chose d'autre qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a que 4 touches à utiliser. En fait il y a un coup de poing faible, un coup de poing fort, et un coup de pied faible et un coup de poing fort. Après, on peut des fois, pour avoir certains coups, certaines possibilités de coups pour des spéciaux, utiliser 2 touches ou 4 touches, enfin tout dépend les personnages. Pour aussi, voilà, narguer un petit peu le joueur. Ah ben voilà. Oh là là, je vais pas réussir à en sortir un. Ouais, Yori Yagami est vraiment très très fort. Ah ouais, non, c'est... Allez, je l'ai. Oui. Saikenzu est pas mal non plus. Final round. Ready, go. Allez. Ah
Oula. Ah, j'arrive plus. Oh. Bon bah voilà, c'est fini pour moi. Bon, et bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. C'était la vidéo découverte sur le jeu King of Fighters 12, version arcade. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo découverte. J'espère que celle-ci vous aura vraiment fait plaisir. J'ai fait de mon mieux. N'hésitez pas à me poser des questions dans l'espace commentaire. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et partagez surtout. Voilà, je vous dis à la prochaine. Salut, salut.